d'aller à notre prédication de cet après-midi. Before we start our teaching, j'aimerais dire quelque chose. I would like to say something. Dieu, il est celui qui travaille dans toute simplicité. God is the one who works in all simplicity. Et souvent, les gens vont chercher des choses compliquées pour croiser Dieu. And often, people are looking what is complicated to meet God. Mais, entre-temps, il donne sa parole pour que toute personne qui suivra cette parole puisse recevoir ce qu'il a réservé par rapport à la parole. But he always gives his word. So anyone who will listen to that word may receive what God reserved for him. Et quand nous venons dans la présence du Seigneur, and when we come in the presence of our Lord, comme nous sommes comme ça, as we are today, Dieu, il est là, pas pour nous contempler, mais pour accorder à chaque parole, à chaque personne qui croit à la parole et qui se comporte selon cette parole-là, la bénédiction qui y est réservée. God is here, so he is behind his word. So everyone who listens to his word and believes in that word, God is after that word, so he can bless each of us who believes in his word. Et c'est pourquoi, quand nous venons en face de l'Éternel, nous devons savoir nous tenir avec crainte et tremblement, car il est le seul qui peut nous donner une réponse à nos questions. So that's why when we come in front of that God, we have to have fear of our Lord. We have to be trembling because he's the only one who can give answer to what we expect from him. Que ce soit dans la lecture, que ce soit dans la louange, l'adoration, que ce soit dans la parole, il est là, il vérifie chaque chose. God is the one who is among us. He's after the reading, the praising, the singing, everything we do here, God takes the lead of it. Et quand nous venons ainsi, nous repartons avec quelque chose. And when we come in his presence, we always have to go back with something. Mais il ne faut pas que nous venons et que nous rentrons sans quelque chose avec nous. It will be sad to come in presence of our Lord and go empty-handed. Et en ce moment, nous venons à la table du Seigneur avec joie et avec allégresse. And as now, we come in the table of our Lord with happiness and joy in our hearts. Parce que nous devons ramener quelque chose. Because we are happy, we will go back with something. Amen. Amen. Nos pensées vont à notre bien-aimé frère David qui n'est pas au milieu de nous. Our thoughts go to our brother David who is not among us today. Et à tous les frères qui ont été empêchés d'être à ce lieu cet après-midi. And to those, all of our brothers who are not here this afternoon. Que Dieu de gloire les soit favorable là où ils sont. May the God of glory bless them where they are. Surtout dans ces temps durs que nous sommes en train de passer avec l'Église de Dieu. Especially in this hard time that the Church of God is going through. Alors, bien-aimés, je vais vous demander de vous mettre debout pour que nous puissions faire la lecture sur la prédication d'aujourd'hui. Beloved, can we stand up to give glory to the Word of God? Je vais faire deux lectures. La première lecture, je vais la faire en Timothée 3. We will do two readings today. The first one will be Timothy 3. Je vais lire du premier verset. From 1. Je reprends 1. Nous allons prendre, normalement, c'est 2 Timothée. We will take 2 Timothy. Mais nous pouvons aller directement au 3, c'est pas un problème. Amen. 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 Et la sœur Manu peut préparer déjà la lecture.
Je vais lire à partir du premier verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. 3. You must understand this, that in the last day, distressing times will come for people, will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, unhuman, impeccable, slander, profligate, brute, haters of good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lover of pleasure rather than lover of God, holding to the outward form of godliness but denying his power, avoiding them. Amen. Amen. Et cette fois-ci, nous allons aller au chapitre 2 et nous toujours de 2 Timothée. Et nous allons lire un seul, deux versets, 10 et 11. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. 2 Timothy 2, verse 10 to 11. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, so that they may also obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory. The saying is sure, if we have died with him, we will also live with him. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. May the God of glory bless us. Bien-aimés, c'est une grande joie de venir nous retrouver devant la face de l'Éternel. Beloved, it's a great happiness to be in the house of our Lord. On peut se retrouver dans plusieurs circonstances, mais il est merveilleux quand nous venons pour partager la parole de Dieu. We can meet for many circumstances, but it's better when we come in the house of our Lord and share His word. Parce que quand nous venons devant la présence de Dieu, because when we come in presence of our Lord, il y a des grandes choses qui se passent. There are marvelous things that are taking place. La parole dit, ils seront sanctifiés par ma parole. The word of God says, they will be sanctified by my word. Ils seront sanctifiés par ma parole. They will be sanctified by my word. Ils ne seront pas sanctifiés par les conseils des hommes. They will not be sanctified by what men can say. Ils ne seront pas sanctifiés par des réunions des hommes. They will not be sanctified by the meeting of men. Mais c'est seulement par la parole de Dieu. But only with the word of God. Et là, Dieu agit là où les gens se retrouvent en son nom. And God acts only when people are gathered in His name. Amen. Amen. Bien-aimé, le dimanche passé, l'Esprit me revient. Nous avons parlé ici, n'est-ce pas, des venins du serpent qui circulent dans l'Église du dernier temps. Beloved, last Sunday, the Spirit is directing me. We talk about the venom of the serpent that is going through in the church of our Lord Jesus. Nous avons vu comment est-ce que l'ennemi serpent est en train de diviser l'Église, est en train d'envoyer dans le cœur, n'est-ce pas, de membres de l'Église, des pensées très erronées, des pensées d'inimitié
qui est le contraire de fruit Saint-Esprit. We saw how the devil is sending in the spirit of children of God those thoughts who are not of God. He's sending them deceitful thoughts, so he's dividing the church in many groups. Et le verset principal était le verset où Paul devait se séparer, n'est-ce pas, avec son compagnon de lutte. And the principal verses was that verse that Paul was supposed to be separated with his brother of battle, Barnabas. Et nous avons vu que quand Paul s'est séparé de son compagnon de lutte du premier rang, mais Paul n'en a pas créé une racine d'amertume. And we saw that when Paul separated with Barnabas in their mission, they didn't create any hateful thoughts among them. Barnabas est parti pour le champ de mission de Dieu et Paul est parti pour le même champ de mission. Each of them went in the mission of our Lord. Et la parole même a déclaré que les apôtres ont prié, ont recommandé Paul et son deuxième compagnon qui était Silas à l'Éternel avant qu'il puisse partir. We even see that the disciples pray for them, pray for Paul and his new companion Silas before they left. Et nous pouvons regarder qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Église est tout à fait différent avec cette scène. And we can see what is going through in the Church of Jesus Christ today is very different than what the disciples lived. Quand deux hommes sont ensemble dans une œuvre, when two brothers are together in the work of God, et pour une raison ou une autre, ils arrivent à se séparer. For any kind of reason, when they come to get separated, que celui qui est resté et celui qui est parti, tous sont dans le champ de mission de Dieu. Both of them, even the one who left and the one who saying they are both in the mission of God. Qu'est-ce que vous en savez du plan de Dieu sur ces deux hommes? What do you know of plan of God for those two brothers? Mais nous constatons que l'ennemi Satan entre par là. But we can see that the devil takes the door so he can come and mess them up. Et ravage l'église de Dieu. And he mess up the church of God. Parce que l'église de Dieu, ce n'est pas les quatre murs dans lesquels nous sommes réunis. Because the church of God is not the four walls that taking where we are today. L'église épouse de Christ est identifiée par rapport à la parole de Dieu. The church, the spouse of Jesus Christ, is identified by the word of God. Amen. Amen. Et nous voyons que les hommes de Dieu se mettent en changeant leur mission. And we see that men of God, they are changing their mission in the church of God. Ils commencent à jouer le rôle que l'ennemi serpent avait joué à la Genèse. They are playing as the old serpent played in the Garden of Eden. Les renverseurs de la parole de Dieu. They are reversing the word of God. Est-ce qu'il est vrai que l'Éternel vous a interdit de manger tous les arbres du jardin? Is it really true that God forbidden you to eat all the fruit of all the trees in the garden? Mais il savait ce que l'Éternel avait dit. The devil knew what God said. Il renverse. He was just reversing the word of God. Et après, il y introduit le maçon. So he can put his lie in it. Alors, ces hommes de Dieu se mettent à la chair. And those men of God are taking themselves on throne. Et commencent à envoyer les venins dans l'assemblée. And they're sending the venom in the assembly. Contre celui qui est parti. Against the one who left. Ou contre celui qui est resté. Or against the one who stayed. Ainsi, ils mettent ce que j'ai appelé la racine d'amertume dans l'église. And then they bring the hateful thought in the church. Ils opposent les âmes de Dieu. They are against the souls of God. Ils amènent la séparation dans l'église de Dieu. They bring separation in the church of God. Ils se considèrent comme des dieux eux-mêmes. They are making themselves as God. Ils prennent les âmes comme ceux qui les appartiennent à eux. They taking the souls of the believer like they. Mais ils oublient ce n'est que Christ qui avait versé le sang sur la croix. But they always forget that only Jesus Christ poured out his blood on the cross of Golgotha. Bien aimé, c'est très dangereux cette histoire. Beloved, this is very dangerous in the church. On pourrait voir des gens qui vont aller quelque part. We can see some of our brothers going somewhere. Qui s'attachent à un homme.
and then they are after a man ou à une institution or after an institution qui prétend de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. They're pretending to pray in the name of our Lord Jesus Christ. Mais entre temps, but underneath, ils ont dans leur cœur, they have something in their heart. Des pensées d'inimitié contre les autres membres, hateful thoughts against other believers. De l'Église de Dieu, from the Church of qui God. Sont allés retour à tête de faire la même chose. Those who are doing the same mission than them. Parce que l'ennemi ne viendra pas dans la peau de l'ennemi. Because the devil will never come to show that he is the enemy. C'est comme je l'ai toujours dit. As I always say, votre frère n'est pas celui seulement qui prie avec vous. Your brother in Christ is not only the one who pray in the same congregation than you. Amen. Amen. Nous sommes frères par rapport au sang de Jésus-Christ. We are brother in Christ for that blood who were poured out. Nous avons un même père. We have only one Father, Jesus Christ. Le père n'est pas ton pasteur. Your father is not your pastor. Le père n'est pas ton institution. Your father is not your institution. Bien-aimé, c'est sur ça qu'on a parlé le dimanche passé. Beloved, we talked about it last Sunday. Nous devons avoir un fil conducteur. We need something to bring us to. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les. The word of God is putting down. Même ironisé. They making fun of that word. Tiré de toute sa substance. They taking what the spirit that the word of God possesses. Et aux yeux de tous. In the eyes of everyone. Et pendant ce temps-là, during that time, la montre avance. And the time is going again. La montre avance. The clock is ticking. Et au temps fixé par l'Éternel des gloires dans sa divinité, and at the time that God fixed his divinity, quand ce temps arrivera, when that time will come, ce qui est dit s'accomplira. What God has said will be accomplished. Que tu sois celui qui traînait le monde, even you are the one who are bringing people to que tu sois celui qui allait tous les jours dans l'église, or even you are going to the church every day, que tu sois celui qui était tout le temps à genoux, even you are kneeling every day down, que tu sois celui qui n'a jamais mis le pas dans l'église, even you never been in the church before, nous serons tous jugés par la même mesure. We will be all judged. La sanctification. The sanctification. La sanctification. The sanctification. Amen. Amen. Mais pendant ce temps-là, while that time, il y a les ténèbres dans l'église. There is darkness in the church. Il y a la confusion dans l'église. There is confusion in the church. Déformation de la parole de Dieu. They are deforming the word of God. What are we going to do? Si on peut pas s'approcher à Dieu. If we cannot be attached to God. Si Dieu ne peut pas avoir pitié de nous. If God doesn't have any pity on us. Pour nous montrer le petit chemin qui peut nous amener vers lui. So he can show us the way to bring us to him. Il a dit que la porte qui vient vers moi n'est pas vraiment large. He said the way to come to me is not spread. Elle est étroite. Is very small. Mais il faut avoir la sagesse. But you have to have the wisdom. De retrouver cette porte. So you can find that way. Bien-aimé, la parole nous dit ici à Timothée. Beloved, the word of God says in Timothy. N'oublions pas que nous sommes toujours en train de parler de Paul. Do not forget that we're still talking about the mission of Paul. Le porteur du message de ce temps-là. The bearer of the good news of that time. Nous avons déjà enseigné pour donner la relation entre Paul et Timothée. We already learned about to make a relationship between Timothy and Paul. Timothée est le fils, n'est-ce pas, spirituel de Paul. Timothy is spiritual son of Paul. Alors il écrit à Timothée son fils. And then Paul writes to Timothy, his spiritual parce qu'il veut que Timothée grandisse dans les choses de Dieu. Because he wants Timothy to grow in the word of God. Qu'il reçoive la sainte doctrine du Christ. Timothy may receive the doctrine of Jesus Christ. Celui qui servait maintenant. He is the God of glory that he was serving now. Parce qu'avant il a servi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il a servi la loi de Moïse. Because Paul, before, he served the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Il est allé exterminer ceux qui étaient en train de prêcher Christ.
He was killing those who were preaching the word of God. Il trouvait qu'ils étaient des blasphémateurs. He said they were blasphemers. Comment ils pouvaient dire que Dieu peut venir habiter dans un corps humain? How they dare to say that God can come and be in a human body? Mais c'est pour cela qu'il les exterminait. So that's why he was persecuting them. Mais le Seigneur de gloire dans son amour. But the God of glory in his love. L'a pris pour l'utiliser comme une arme, Worker in his faith. Un instrument. Is using him as a vessel. Qui devait amener le message. That vessel will bring the good news. Aux autorités, aux Juifs et aux païens. To authorities, to Jews and to the Gentiles. C'est Paul là qui écrit à Timothée. That's the same Paul who writes to Timothy. Il lui dit ceci. He says this to Timothy. Sachez que. You need to know. Les derniers jours, il y aura des temps difficiles. That in the last days, distressing time will come. Il y aura des temps difficiles. Distressing time will come. Il ne parle pas seulement. He's not talking only. Pour les gens de ce temps-là. Not only for those people who live in that, that time. Parce que Paul savait qu'il croyait qu'il vivait aussi des temps difficiles. Because Paul thought he was living the distressing time. Il pensait aussi qu'il vivait les derniers temps. He thought he was living for the last day. Dieu a fait les choses comme ça. God made things. Vous verrez quand même Paul parle de l'enlèvement. Even when Paul was talking about the rapture. C'est comme si ça vient demain. He was talking like the rapture was coming the next day. Il disait nous les vivants. He was saying we who are alive. Nous n'allons pas précéder. We are not going to go ahead. Paul pensait aussi qu'il vivait les temps des derniers temps. Paul also thought that he was living the last time. Il dit, mon fils Timothée. He said, my son Timothy. Les derniers temps. The last days. Quand il y aura des temps difficiles. It will be hard times. Où l'ennemi va s'élever. When the devil will stand up. Il va s'élever car il est jaloux. Because he's so jealous. De ce que Dieu a donné pour l'homme. For what God has given to man. Et il ne veut pas que l'homme reçoive cela. And he doesn't want men to receive it. Il veut que l'homme perde avec lui. He wants men to be perished with him. Dans le feu de la chair. In the hidden. Dans la destruction. In the destruction. Dans le néant du néant. In the néant. Nothing of nothing. Les temps seront difficiles. Times will be hard. Et qu'est-ce qui se passera? And what happened at that? Il dit que les hommes seront égoïstes. He said men will be selfish. Alléluia. Amen. Égoïste. Selfish. Je crois qu'on ne va pas terminer ça aujourd'hui. I think we will not be able to finish this today. Parce que quand vous lisez comme ça, because when you are reading, vous ne pouvez pas voir ce que ça veut dire. You are not seeing what the word of God is saying. Égoïste. Selfish. Quelque chose est caché là. Something is hidden behind it. Les hommes seront égoïstes. Men will be égoïstes. Selfish. Bien aimé, je ne parle pas de ceux qui ne prient pas, ceux qui sont dehors de l'église. Beloved, I'm not talking about those who are living out of the church. Mon message n'est pas pour ceux-là. My message is only for those who are in the church. Amen. Amen. Je parle de ceux qui sont dans l'église. I'm talking to those who are in the church. L'esprit d'égoïsme, ça veut dire que l'ennemi amènera l'esprit d'égoïsme. This means that the devil will bring the spirit of selfishness. Il dit, les hommes seront égoïstes à cause de l'esprit d'égoïsme qui viendra prendre place dans leur cœur. Beloved, men will be selfish because the devil will bring that spirit of selfishness in them. Et de quelle manière? In which way? Bien aimé, il y a l'église, il y a l'esprit d'égoïsme dans l'église. Beloved, there is a spiritual selfishness in the church. Il y a l'esprit d'égoïsme dans l'église. There is a spirit of selfishness in the church. Pour cet homme de Dieu qui s'est séparé avec son frère. For that man of God who is separated with his brother. Pour une raison ou une autre. For some reason. Pour une raison ou une autre. For some reason they separated. Qu'est-ce qui peut les pousser? What can be behind them? À parler de mal de son frère. To say bad thing against his brother. Qu'est-ce qui peut les pousser? What can push him? A commencé à envoyer de mauvais venin dans l'église. He can send bad venom to the church. Contre son frère. Against that brother. Et
contre ceux qui seront avec son frère. And against those who will be with the other brother. L'esprit d'égoïsme est en bas. That is the spirit of selfishness. On voit son intérêt. They only see their own interest. Son intérêt. His own interest. L'esprit d'égoïsme a saisi son cœur. The spirit of selfishness has taken his heart. Parce que cet esprit d'égoïsme, because that spirit of selfishness, il appartient au serpent ancien. He belongs to the old serpent. Comme nous l'avons vu, as we see it, le serpent ancien, the old serpent, est venu séparer l'homme avec Dieu. He came to separate man to God. L'esprit ancien a séparé l'homme avec Dieu dans le jardin d'Eden. The old serpent separated God to man in the Garden of Eden. Et ces hommes-là, and those men, qui sont maintenant en train d'agir, who are acting avec cet esprit dans leur cœur, with that spirit of selfishness, ils séparent, they are separating les hommes avec l'Éternel. They are separating souls to God. Voulez-vous me dire? Do you want to say? Un frère n'aime pas l'autre. One brother doesn't like the other brother. Parce que l'autre ne prie pas avec lui. Only because that brother doesn't pray to the same God. Ce frère est près de Dieu. That brother is close to God. Et ce frère est un frère sanctifié. And that brother is a sanctified brother. No. No way. Et si Dieu revient? And if God comes back? Où ira ce frère? Where will be that brother? Il sera perdu. He will be punished. Dieu posera la question, où es-tu? God will ask him, where are you? Il sera pas du côté de Dieu. He will not be on the side of God. L'esprit d'égoïsme. That spirit of selfishness. On va commencer sur voir son propre intérêt. Only seeing your own interest. Bien-aimé. Beloved. Si nous commençons à toujours voir notre propre intérêt. If we only live by seeing our own interest. Dans n'importe quel domaine. In any ways. We have to ask ourselves. Parce que tu vois seulement ton propre intérêt. Because you're seeing only your own interest. Tu ne peux pas accepter d'aider ton frère. You cannot accept to help your brother. Tu ne peux pas même manifester de l'amour avec ton frère. You cannot even show some compassion. Parce to que your tout ça doit t'appartenir. Because everything has to be yours. Tu vas commencer à surveiller tout. You will be taking paying attention in everything. Les serpents. Old serpent. Et quand nous continuons, and when we continue, et qu'est-ce que la parole dit? What the word of God says? Amis de l'argent. For people will be lover of themselves, amis lover de of l'argent, money. De l'argent. People will love money. Amen. Amen. De l'argent. Money. Ah, il a pris mes âmes. Oh, he has taken my soul. Il a pris mes âmes. He has taken my soul. Il les appelle ses âmes. He's calling. Children of God, his souls. Comme s'il a été lui sur la croix et that qu'il a if he was on the cross of God, I died for those souls. Les âmes de l'Éternel. Souls are for God. Oh Seigneur de gloire. God of glory. Vous voyez, ils le disent. They sing it. Vous ne pouvez pas m'appartenir. You cannot belong to me. Qui suis-je? Who am I? Je ne peux pas. I can't. Mes âmes, ils sont mis à la place de Dieu. They put themselves in the place of God. Parce qu'ils sont déjà avec le venin du serpent. Because they certain venom possess them. Le serpent veut toujours prendre la place de Dieu. The serpent always wants to take the place of God. Tout ce qu'il fait, il veut prendre la place de Dieu. Everything he's doing because you want to be God. Quand il dit mes âmes, when he says my soul, il voit l'argent que ces gens vont amener dans sa poche. He sees money that the other believers will. Je ne veux pas aller loin. Vous savez comment l'argent des églises sont gérés. I'm not gonna go far of, about this. You know how the money in the church is being managed. Amen. Amen. Les dîmes imposées. They asking those tithes. Et des fois même, on demande, on suggère aux gens, écoutez, on peut couper à la source. Sometimes they are asking money so they can be taken from the source. Et il y a même ils disent, même si tu es malade, ne touche pas au Dieu de l'Éternel. They say, even you are sick, do not touch to the tithe of God. Et quand cet argent est dans l'église, when that money comes to the church, ça ne va pas à l'Éternel. It doesn't go to God. C'est pour sa poche. It's only for their own pocket. Même le frère qui vient chaque fois taper la tam-tam et qui ne sait même pas rentrer chez lui, et il rentre à pied, il ne me donne même rien.
even one of the brother doesn't have enough money to pay his fare, they don't give him any. Même les collaborateurs qui sont autour, even those who are working with him, ils ne voient rien. They don't see anything of that money. C'est pour le pasteur. The tithes are for the pastor. C'est pourquoi maintenant ils aiment beaucoup les titres de pasteur. So that's why everyone likes that title of pastor. Même les veuves qui sont dans l'église ne reçoivent rien de Dieu. Even those brothers in the church, they don't receive anything from the tithe. Amis de l'argent. Lovers of money. En fait, nous ne prêchons pas les dîmes ici. We are not talking about tithe. Nous parlons de les serpents anciens. We are talking about the old serpent. Qui envoie un venin dans l'église de Dieu. He's the one who's sending the venin. Les troubles et les ténèbres. Trouble and darkness. Amen. Amen. Hautain et blasphémateur. Boasters, arrogant. Hautain et blasphémateur. Boasters, arrogant. Ils aiment de l'honneur. They like to be honored. Comme nous l'avons dit autrefois. As we said before. Et vous savez pas que je suis un homme de Dieu? Don't you know that I'm a man of God? Alléluia. Amen. Un homme de Dieu doit être un serviteur des autres. Servant of God has to serve others. Il doit porter le manteau de l'humilité. He has to be humble. Qu'est-ce qu'il pense lui? Il va voir. What is he thinking that way? We'll see. Je vais entrer dans une prière pour lui, va voir. I'm gonna do a special prayer for him and his. Non, soyons sérieux. Beloved, let's be serious. Blasphémateur. Blasphemers. Oh, quand on dit blasphémateur, c'est en parlant des choses. Only when we're talking about blasphemers, it's only by talking about things. Est-ce que vous savez quand ils disent que les âmes, ils sont des blasphèmes? Do you know when a pastor saying, my souls, this is a blasphemy? Dieu dit que vous m'appartenez. God says we belong to him. On n'a pas le temps de lire des autres versets. We do not have time to go read other verses. Dieu dit que vous m'appartenez, vous avez été vendu gratuitement. God says we belong to me, to him. We were sold freely. Ce n'est pas au prix de l'argent que vous serez racheté. We will be redeemed freely. Je vous ai racheté avec mon sang. He has redeemed us with his blood. Pas n'importe quel sang. Not any kind of blood. Le sang de Dieu tout-puissant. The blood of God, the Almighty. Jésus, votre Dieu. He is our God. Vous m'appartenez. We belong to him. Et toi, tu te lèves, tu dis mes âmes. And you are standing and saying, these are my souls. Si nous voulons parler de la blasphémation, if you want to talk about the blasphemy in the church, il y a beaucoup de choses qui se font là. There's a lot that's going through in the church. L'ennemi Satan a déjà pris la place de Dieu dans l'église de Dieu. The devil has already taken the place of God in the church of God. Amen. Amen. Il se met à renverser la parole de Dieu. He's reversing the word of God. Pour satisfaire leurs propres intérêts. So they can be satisfied. Et les âmes sont devenus des moutons. And souls are becoming lambs. Ils suivent. They always following what non, the leaders say. Non, notre pasteur ne dit pas they ça. They say no, our pastor doesn't say it. Non, chez nous on prêche pas comme ça. No, in our church they don't preach this way. Même si tu demandes la parole de Dieu. Even though you show them the proof in the word of God. Ils vont poser la question à son pasteur. They go ask question to their pastor. Et le pasteur renverse la parole. And the pastors reverse the word of God. Mais parce qu'il a déjà le venin des serpents. Because he is possessed by the venom of the devil. C'est pas pour rien que Paul a commencé avec l'orgueil. This is not for nothing that Paul starting with pride. L'orgueil. Pride. L'orgueil c'est le premier caractéristique de l'ennemi Satan. Pride is the first qualification of the devil. S'il a été précipité du ciel. If he was sent to this earth. C'est à cause de l'orgueil. Because of the pride. Amen. Amen. On ne peut pas être orgueilleux. We cannot be proud. Sans être égoïste. Without being selfish. Amen. 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 Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat et irréligieux. Arrogant, abusive, disobedient to their parents. Ungrateful, unholy, unhuman, implacable, slanderous, profligate, brothers, haters of good.
Je ne parle pas du monde, je parle de l'Église. I'm not talking about those who are in the world. I'm talking about the Church of God. Dans l'Église, on a modernisé la parole de Dieu. In the church, they modernize the word of God. Les enfants n'obéissent plus à leurs parents. Children do not obey to their parents. Les enfants semblent connaître trop. Children, they seem to know a lot. Parce qu'ils sont de la nouvelle génération. Because they are from the new generation. À tel point que l'ennemi a pris le cœur des enfants. The devil has already taken the heart of the children. Les enfants ne peuvent plus suivre la bonne voie que les parents montrent. The children do not follow what their parents are telling them. Ils commencent aussi à philosopher sur la parole. Now children, they're thinking about the word of God. They're discerning. La jeunesse est dans le main de Satan. The youth is under the hand of the devil. Nous devons protéger la jeunesse. We have to protect our youth. Qui est dans l'église. In the church. Parce que l'ennemi a mis la main sur eux. Because the devil, he's putting his hand on them. Ils sont ouverts à tout mouvement. They are open in everything. Ils amènent un courant tiède dans l'église. They are bringing some warm in the church. Qui passe par la porte. Pour vous dire l'esprit Satan comment il agit dans l'église de ces temps. Just to show you how the spirit of the devil is acting in the church. Dans l'église de Dieu. In the church of God. L'esprit d'impudicité est très élevé parmi les jeunes. The spirit of sexual immorality is very, very emphasized among the young. J'ai visité certaines églises. I visited some churches. J'ai été mépris. And I was disgusted. Et c'était des églises pleines. And those churches was full. Et Dieu m'a ouvert les écailles. And God opened my eyes. Et j'ai vu comment l'esprit d'impudicité est en train de jouer. And I saw how sexual immorality is in the church. Amen. 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 Et j'ai dit à ma soeur, je dois parler à ce pasteur. And I talked to my sister. I said, I need to talk to this pastor. Et elle m'a dit, bon, c'est pas facile de lui parler. And the sister said, it's not easy to talk to the pastor. Il faut passer. There's a lot of things to do before you can meet the pastor. J'ai dit, c'est de la part de Dieu, je dois lui parler. I said, from God, I will talk to him. Si je ne sais pas lui parler aujourd'hui, if I cannot talk to him today, donnez-moi, demandez le numéro de téléphone, je vais l'appeler. Give me his number, I will call him. And I call the pastor. Because God talked to me to tell him. On a voulu me dire des histoires. J'ai dit, dis au pasteur. They wanted to complicate me. I said, tell the pastor. Je ne veux pas parler à quelqu'un d'autre qui va lui transmettre. I don't want to talk to somebody else who will translate. Dites-lui, un homme de Dieu était dans son église et il a un message de la part de Dieu pour le pasteur. Tell him, a man of God was in his church and he has a message from God only for him, the pastor. Et la dame dit, mais tu sais, il est très occupé, hein? Tu vas attendre même 2 semaines. Hein? And the woman told me, you know, the pastor is very busy, you can wait even for 2 weeks. J'ai dit, dites-lui ça. I said, just translate the message. Amen. Amen. Et il a appelé. And the pastor called me. Et il a reçu le message. And he received the message. Apparemment, il savait ce qui s'est passé dans l'église. And he knew what was going through in his church. La jeunesse est devenue rebelle. Youth is rebellious. Oh, mais c'est la mode. This is, it's called a fashion. Mais les autres font ainsi. But everyone else is doing the same. Oh, ça c'était à votre époque. All is saying, this way was in your time. Il y a des sérieux problèmes entre la jeunesse et les parents. There's a serious problem. Between children and je ne parle pas de ceux qui sont dehors de l'église. I'm not talking about those ceux who are qui sont dans l'église. I'm talking about young people in the church. Ils aiment les honneurs. They like to be honored. Enfin. Le dimanche, ça devient le défilé des modes dans les assemblées. On Sunday, there is a fashion in the church. Ce n'est plus différent avec les tapis rouges que l'ennemi a mis pour que les femmes qui captent, les hommes faibles puissent les capter. There's no difference between the red carpets in the fashion mode and the church today. Alors mettons des carpets rouges dans les églises, mais non.
So now in the church of God, we have red carpet for the fashion. Les jeunes garçons mettent des boucles des oreilles. Young boys have piercing everywhere. Dressent leurs cheveux. They have braids. L'ennemi a la main sur leur âme. The devil has his hand on them. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est vous qui m'écoutez. Believe, beloved, for those who are listening to me. Je ne vous appelle pas de venir prier avec moi là où je suis. I'm not calling you to come and pray with us. Mais si ces choses se passent dans votre église. But if those things are happening in your church. Si ces messages sont enregistrés. If those messages are taken. C'est le Seigneur qui nous a recommandé cela. Because the God of glory asks us to. Mais lèvez-vous contre ces esprits. Lèvez-vous contre cet esprit. Stand up against those spirits. Le serpent est dans votre église. The serpent is in your church. Et vous et le pasteur et les diacres, pleurez et délivrez vos âmes. Pastor and everyone in the church should pray so the souls of God may be delivered. C'est là où il faut aller chercher l'église que vous dites les églises de délivrance. So now it's time for to go find those churches that you call church of deliverance. Il ne peut pas y avoir des églises de délivrance et des églises de la parole. Non. It is not possible to have one church only for the world and the other one for deliverance. Nous n'avons pas vu avec les apôtres. We never seen it with the disciples of C'est Jesus. C'est l'ennemi qui fait distraire les gens. This is the devil is distracting. Mais vous allez chercher les églises de délivrance seulement pour vos besoins propres. But you brothers, you need to find that church of deliverance for your own need. Vous êtes égoïste. You are selfish. Regardez, c'est l'argent qui vous cherche. Look, it's money that you are after. Amen. Amen. Mais cherchez vos âmes d'abord. But first you have to seek for the souls of God. Hallelujah. Amen. Aimons le plaisir plus que Dieu. That we love pleasure more than God. Amen. Amen. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. They love pleasure more than God. Si vous dites dans l'église que nous avons une fête. If you say in the church we have a party. Oh, tous vont venir vite. Everyone will come. Mais quand vous lui dites que nous avons une retraite et jeûne de prière. But when you say we will be in retreat or we will have fasting day. Oh pasteur, moi le docteur m'a dit. And people are starting to present reasons. Oh pasteur, moi mon programme là, je ne pourrais pas. Reasons are coming out. Ah mais pourquoi la prière là seulement la minuit? Why are you praying at midnight? On ne peut pas avancer les heures prochaines. We don't go earlier than that. Mais pour la fête. But for any party. On peut veiller, il n'y a pas de problème. We can come and stay overnight. Amen. Amen. Aimons le plaisir plus que Dieu. Love or pleasure more than God. Oh, Dieu voit mon cœur, non? They say God sees my heart. Quand tu es dans les fêtes, là, Dieu voit ton cœur aussi, non? When you are partying, God is seeing your heart also. Et quand tu es fatigué pour la prière, Dieu voit ton cœur aussi. When you are tired for praying, God sees your heart also. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. May the God of glory. Je termine par ici. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. They are. That appearance of being pure by denying his power. Ah, Dieu me connaît, non? But God knows me, no? Moi, j'aime Dieu. God knows that I love him. Et moi, je prie, hein? And I pray. Mais c'est Christ qu'il faut avoir d'abord. But first, we need to have Christ. We need to receive Jesus in us. Il t'a dit de porter la croix. He said you have to bear your cross. Ils sont là, habillés dans les habits des pasteurs, des hommes de Dieu, des archibishops, des je ne sais pas d'autres noms que je ne connais pas. They have been titled in them pastors, bishops, archbishops, deacons. There are tons of names. Et ils se mettent, ils ne veulent pas toucher à ce qui fait la piété. And they do not want to touch. To what makes the holiness. C'est quoi ça? C'est quoi ça qu'il nous dit? What are they saying to us?
Paul dit ceci. Paul says this. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent quoi? Le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts en lui, nous vivrons aussi en lui. Paul says that, so that's why he's taking everything for those who are coming to Jesus Christ. Because if we are dead in him, we will be resurrected in him also. Bien-aimé, tout ce que j'ai énuméré ici. Beloved, everything that I listed here. Que l'ennemi veut lancer dans l'église. That the devil wanna send in the church. C'est pour ne pas arriver à la sanctification. This is only so that we cannot come to the sanctification. Nous devons mourir aux choses de ce monde. We have to be dead in everything in this world. Mourir au plaisir de ce monde. We have to be dead in the pleasure of the world. Mettre Dieu dans la priorité des priorités. Put God in priority of everything. Oubliez notre propre intérêt. We have to forget about our own interests. Portez le manteau de l'humilité. We have to be humbled. De nos âmes. We have to cry to God for our own deliverance. Non, pas pour aller obtenir le bien. Not to receive only goods, but for our deliverance. Tu pleures pour les travers, tu donnes les travers là-bas. Tu as l'argent et l'argent là, t'amène encore dans le péché. We do not have to cry to God only to receive blessing. When you cry, you want to receive a job. And as soon as God bless you with a job, and that money you receive will bring you again in sin. Ce serviteur aime l'apparence de la piété. That servant of God like the appearance of purity. Je suis un champion, bishop, je suis je sais pas quoi. I am this. Mais ils sont au service de Satan. But they are serving Satan. Comme je l'ai démontré. As I demonstrated to you. Et quand ils arrivent, alléluia. And when they come. À pouvoir. To. Enseigner. To teach. Ils diluent le message de l'âme. They are not emphasizing to the principal message of salvation. Ils n'aiment pas prêcher la sanctification. They do not like to preach about sanctification. Amen. 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 Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, bénisse cette parole dans vos cœurs. May the God of glory, our Father, bless this word. In our world. Et qu'il nous aide à ce que les écailles de nos yeux puissent tomber. May God help us so our eyes can be opened.